Does it make you want to hate murder? Because if it makes you want to hate murder, then it's working. Does it really horrify you? Are you a little more cautious about picking up that hitchhiker? Injecting awareness into people through that? They see the deliberate stranger and they see it as entertainment. But Ted was real. He was real, man. He'd kill you and laugh. He enjoyed it. Coucou. Le 23 juillet 1972, deux adolescentes ressortent d'une forêt complètement paniquées. Elles sont en larmes, à moitié nues, avec des cordes qui pendent au bout de leurs bras. Elles expliquent alors avoir vécu l'enfer pendant plusieurs heures, emmenées dans cette forêt par un homme se présentant comme un policier. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut à tous, c'est Max Guys. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, spéciale tueur en série. Et cette fois-ci, pas n'importe lequel, puisqu'on va parler d'un beau pépère qui a pas mal fait parler de lui pendant les années 1970. Gérard Schaeffer, plus connu sous le nom du flic tueur en série, de toute façon c'est écrit dans le titre. Avant de réaliser cet HVF, j'ai tenté de regarder si des vidéos avaient déjà été réalisées sur lui en français. Et étonnamment, je me suis rendu compte que oui, il y en avait, mais pas tant que ça. Pourtant, on va quand même parler d'un type dont Ted Bundy a été jaloux. C'est pour vous dire le truc. Cet HVF a été pas mal compliqué à réaliser puisque le seul livre disponible en français est celui de Stéphane Bourgoin. Et lorsqu'on sait qu'il a été affiché il y a quelques années, voire quelques mois je crois, pour avoir menti dans certaines de ses œuvres, ça la fout mal de réaliser une HVF uniquement basée sur ses écrits. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de stickers que d'habitude, parce que j'ai pris la peine de vérifier pas mal de choses avant de vous sortir cette HVF. J'ai pas envie de vous raconter des conneries. Mais heureusement, même si la seule enquête française a été écrite par Stéphane Bourgoin, Gérard Schaeffer, le tueur en série dont on va parler dans cette vidéo, a écrit pas moins de 3 bouquins que j'ai dû lire en une semaine pour réussir à vous proposer cette HVF à temps, et je peux vous dire qu'à l'intérieur, on ressent bien toute la folie humaine. Je vous lirai quelques extraits pendant cet HVF et je vous photographierai certains extraits également bien plus hard que je peux pas vraiment lire sur YouTube pour les mettre sur mon Twitter après la sortie de cette vidéo. À l'intérieur, il raconte ses fantasmes les plus sombres, mais surtout, tout les meurtres dans les moindres détails. Je peux pas vous montrer le livre de face parce que ce sont des femmes en très mauvaise posture et le robot qui nous observe actuellement risque de faire disparaître la vidéo. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez soutenir la chaîne encore plus, les t-shirts HVF sont dans la description et on est parti. Les seules survivantes. Notre histoire prend place aujourd'hui dans l'état Caliente qu'est la Floride, et plus précisément dans les environs de Fort Lauderdale. C'est dans cette zone que Gérard Schaeffer, shérif adjoint, va commettre la plupart de ses crimes. Nous sommes le 21 juillet 1972. Nancy Trotter, 18 ans, et Pamela Wells, 17 ans, ont passé la journée à la plage. Elles sont en vacances cette semaine-là chez une amie qui les héberge pendant l'été. Sur les coups de 18h, les filles décident de rentrer, mais après une bonne journée de plage, elles ont la flemme de marcher jusqu'au centre-ville pour rejoindre le logement de leur ami. Elles se mettent donc sur le bord de la route et commencent à faire du stop. Avec le pouce en l'air, très important. C'est alors qu'une voiture de police, avec à son bord un homme, s'arrête à leur hauteur et leur explique qu'ici, le stop est illégal. Ben voyons. L'homme leur propose alors de monter à bord pour les mener à destination. Les filles acceptent sans hésitation, certes c'est un total inconnu, mais c'est quand même un flic en uniforme dans sa voiture de fonction, donc il peut pas leur arriver grand chose. Elles ont raison d'accepter, puisque ce policier va bel et bien les emmener à destination, tout en prévenant ses supérieurs qu'il a 2 adolescentes dans sa voiture. Nancy et Pamela
entendent alors, lorsqu'ils s'identifient à la radio, son nom, Gérard Schaeffer. À l'intérieur du véhicule, une discussion commence. Tous les trois font connaissance et Gérard va proposer aux filles de les emmener à la plage demain matin, vu qu'apparemment, elles souhaitent y retourner. Ça leur évite de refaire du stop. Nancy et Pamela acceptent et un rendez-vous est fixé pour le lendemain à 9h30. Bon alors vous imaginez bien que si je suis en train de vous raconter leur histoire, c'est que notre Gérard, cette fois-ci, il a pas du tout prévu de les emmener à la plage. Sinon ça n'aurait aucun intérêt. Le 22 juillet, les deux adolescentes attendent Schaeffer qui arrive aux alentours de 9h15. Il est cette fois-ci habillé en civil avec sa voiture personnelle et explique à Nancy et Pamela qu'il n'a pas son uniforme parce qu'il est en mission aujourd'hui et qu'il doit être discret. Bref, rien de choquant dans la vie d'un policier. Les filles prennent place à l'intérieur du véhicule avec leurs deux sacs dans lesquels elles ont mis tout ce qu'il faut pour passer la journée au bord de l'eau. Sauf que cette journée, elles ne vont pas la passer à la plage. Les filles sont en réalité en présence d'un tueur en série qui, à cette époque, a déjà fait une vingtaine de victimes. Pendant le trajet, Schaeffer leur demande si elles sont d'accord pour qu'ils emmènent à un vieux fort espagnol abandonné sur la côte. Il explique que c'est une zone peu connue des touristes qui vaut le coup d'œil. Bien sûr, Nancy et Pamela acceptent. Gérard Schaeffer va rouler jusqu'à un endroit qui est aujourd'hui un espèce de repère mystique pour les fans du tueur, le Oak Amok, parc de Port-Saint-Lucie. C'est un grand espace de verdure, assez grand pour s'y perdre, mais surtout parfait pour y être discret, car il est très peu fréquenté par la population locale. Les filles vont descendre dans cette petite jungle de Floride et faire quelques mètres avant de vouloir retourner à la voiture. Pamela raconte après sa fuite comment Schaeffer a procédé pour la piéger avec Nancy. On se rapprochait de la voiture lorsqu'il nous a adressé la parole. « Hé, vous m'avez menti hier. Je sais que vous êtes des fugueuses. J'ai appelé vos parents. Ils sont très inquiets. Je vous place en état d'arrestation. Je vais vous menotter et vous ramener chez vous. » Pamela explique alors que c'est complètement faux. Ses parents savent qu'elle est en Floride. Bon, pas vraiment où. Et oui, peut-être que Nancy est partie sans l'autorisation de ses parents, mais elle les a appelés il y a quelques jours. Il nous a passé les menottes dans le dos. Schaeffer a ensuite fouillé nos sacs. Je pense pour vérifier si on avait de la drogue. Il a pris mon couteau et une petite paire de ciseaux. Il n'a rien trouvé d'autre. Il nous a posé plein de questions sur les personnes qui nous hébergeaient. Schaeffer nous a ensuite parlé de mystérieuses disparitions qui ont lieu depuis quelque temps dans le comté. Il nous a expliqué que des gens semblaient rôder en précisant « Il n'y a pas de crime s'il n'y a pas de cadavre. C'est juste enregistré comme une disparition et personne ne retrouvera jamais le moindre corps. » Pamela continue son récit. Il a ouvert le coffre pour prendre des cordes et des draps. Les morceaux de tissu étaient déjà coupés en lanières pour servir de lien et de bâillon. Tout était prêt. Il nous a obligés à marcher devant lui jusqu'à une sorte de clairière entourée de broussailles où il a étendu le drap sur le sol. Nancy s'est assise dessus et Schaeffer lui a attaché les jambes avant de la bâillonner. Je n'osais pas bouger. J'étais comme paralysé. Puis il m'a fait signe de le suivre. J'ai pensé qu'on allait se diriger vers la voiture, mais nous sommes partis à pied, en direction de la rivière. J'avais vraiment la trouille. Nancy était toujours assise sur le drap. Il l'a menacée de me tuer si elle bougeait ne serait-ce qu'un orteil. Je vous jure que si un jour je me retrouve en plein milieu d'une forêt avec un tueur en série qui m'explique que si je me taille, il tue mon pote, il peut déjà commencer à creuser sa tombe. Je me casse le plus vite possible, désolé . On reprend. Il m'a dit de me dépêcher. J'avais du mal à marcher car il nous avait forcé à retirer nos chaussures. C'était une vraie jungle, humide, étouffante, avec des marécages. Je l'ai supplié de ne pas m'emmener par là car j'étais dévoré par les moustiques. Nous nous sommes arrêtés devant un arbre avec un tronc énorme. J'ai dû m'installer en équilibre sur une grosse racine qui sortait du sol, puis il m'a ligoté les jambes à l'aide d'une corde. Il m'a passé un nœud coulant autour du cou, préparé à l'avance. Je devais faire très attention, parce que j'avais les pieds en équilibre sur cette grosse racine, et si je glissais, j'étais morte, je me serais pendue. C'est assez difficile d'expliquer, voire même d'imaginer comment Gérard Schaeffer plaçait ses victimes. En gros, bon je me répète un petit peu, mais il mettait la corde au cou, voilà, il n'y a pas d'autre expression, et les filles étaient vraiment sur une racine qui était au-dessus du sol. Donc si elles glissaient de cette racine, leur corps, paf, ne touchait pas le sol. La racine étant plus haute que la terre,
les filles se pendaient. De toute façon, il existe des reconstitutions faites par Nancy et Pamela avec des photos qui seront comme d'habitude disponibles sur mon Twitter. Je vais pas vous montrer des adolescentes avec la corde au cou pendues à un arbre sur YouTube. Ce serait suicidaire. Sans mauvais jeu de mots. Après avoir mis Pamela en place, Schaeffer repart. Mes poignets étaient menottés, mais il n'avait pas très bien attaché mes bras parce que j'étais en équilibre instable sur cette grosse racine. Du coup, j'ai pu détacher mes bras et les lever vers le haut pour retirer le bâillon. J'ai réussi à défaire la corde autour de mon cou. J'ai eu beaucoup de mal à enlever l'autre lien qui me ligotait les pieds. Je me suis faufilé à travers les broussailles pour aller vers la rivière. J'ai marché dans l'eau comme si je me promenais le long du rivage. Tout d'un coup, j'ai entendu Nancy crier. Je n'ai plus bougé pour ne pas faire de bruit. Je suis parti en courant à travers les bois et je me suis caché sous des buissons environ une demi-heure. À tout instant, j'avais l'impression que c'était lui qui surgissait pour me reprendre. J'étais morte de peur. J'ai rebroussé chemin jusqu'à la rivière et j'ai contourné jusqu'à ce que j'aperçoive la route. J'étais encore en train de marcher dans l'eau lorsque j'ai aperçu une voiture. Je me suis mise à hurler. C'est un policier qui s'est arrêté en premier. Il m'a donné une couverture et je lui ai demandé s'ils avaient des nouvelles de Nancy. Il m'a répondu qu'elle était saine et sauve. Lorsque le chef de la police, Robert Crowder, lit le témoignage des filles, il se dit tout de suite que Schaeffer n'en est pas à son coup d'essai. Tout est trop bien ficelé. Il connaît l'endroit, avait déjà préparé les liens, fait ça pendant son jour de repos, en pleine journée. Et en plus, la manière dont il a placé Pamela en seulement quelques minutes prouve qu'il a l'habitude de faire ça. Je veux dire, demain vous partez en forêt pour faire du mal à quelqu'un, la première idée qui va vous passer par la tête, ça va pas être de mettre une corde à une branche, puis de la faire tenir en équilibre sur une racine, sauf si vous êtes complètement cinglé. Dans le même temps, le téléphone de Crowder sonne. À l'autre bout du fil, c'est Schaeffer qui explique à son supérieur que il va peut-être un petit peu s'énerver puisqu'aujourd'hui, il a fait une grosse bêtise. Il a voulu faire peur à deux adolescentes qui faisaient du stop et pour leur expliquer qu'elles pouvaient à tout moment tomber sur quelqu'un qui allait leur vouloir du mal, il leur a fait un petit peu peur en forêt et les a laissées plusieurs minutes seules. Le souci, c'est que lorsqu'il est revenu, bah elles étaient parties. Mais tout ça n'est bien sûr qu'un simple malentendu, jamais il n'a voulu leur faire du mal. Schaeffer est viré de son poste d'adjoint sur le champ, il est accusé d'agression et de séquestration, mais n'est pas envoyé en prison puisqu'il va payer sa caution de $15,000 en attendant son procès qui a lieu le 22 décembre 1972. Schaeffer est alors condamné à un an de prison, il est incarcéré le 15 janvier 1973. Trois mois plus tard, les corps, ou plutôt les restes éparpillés de deux jeunes femmes, sont découverts sur l'île d'Hutchinson. Littéralement en face de là où travaille Schaeffer. C'est un endroit boisé avec énormément de végétation. Une fois à l'intérieur, il est presque impossible de s'y retrouver. Gérard Schaeffer, au fond de sa cellule, lorsqu'il apprend la nouvelle, c'est qu'il est complètement foutu, puisque pour chaque meurtre quasiment, sa méthode a été la même. Mais avant d'aller plus loin, faisons un rapide retour en arrière pour découvrir qui est Gérard Schaeffer. Et vous allez vous rendre compte que dès son plus jeune âge, autour de lui, des disparitions ont eu lieu. La naissance d'un tueur en série. Gérard John Schaeffer Jr. naît le 25 mars 1946. Il est l'aîné d'une famille de trois enfants, Sarah, Gary et lui-même. Pour une fois, il n'y a pas grand-chose à dire sur ses parents. Doris et Gérard Schaeffer Sr. sont des catholiques pratiquants qui élèvent leurs enfants avec les mœurs de l'époque. Ils veulent qu'ils réussissent et sont assez durs envers eux. Schaeffer est régulièrement critiqué par sa mère qui lui dit tout le temps qu'il peut mieux faire. Quant à son père, il le prend pour un bon à rien et critique tout ce qu'il fait. Vers le début de l'adolescence, Gérard Schaeffer va se persuader que son père préfère sa sœur. Donc, pour être accepté par son paternel, il va se mettre à porter de la lingerie féminine en se disant que s'il ressemble à une fille, son père allait l'apprécier. Bon, très mauvaise idée pour l'époque, on est dans les années 60 et son père, voyant qu'il commence à dériver selon ses propres mots, eh bien, va encore plus le détester et va se mettre à lui mettre des gifles régulièrement en lui répétant
Il faut apprendre la discipline. Et justement, cette discipline, Gérard Schaeffer, toujours dans le but de plaire à son père, il va se l'infliger lui-même en commençant à pratiquer le bondage dès l'âge de 12 à 15 ans. Oui, c'est jeune, mais chacun ses délires. Il avait pour habitude d'aller en forêt, habillé de vêtements féminins, pour se pendre avec une corde accrochée à la branche d'un arbre, sur la pointe des pieds, dans le seul but de punir son côté féminin. Il expliquera plus tard, « Ligoté à un arbre, je me débattais avec violence pour me libérer. Plusieurs fois, j'ai failli laisser ma peau. Je m'arrangeais aussi pour me faire mal et connaître la douleur. » La famille, qui habitait à l'époque en Géorgie, va décider pendant l'année 1960 de déménager sur la côte, en Floride, à Fort Lauderdale. C'est ici que les premières disparitions entourant la vie de Gérard Schaeffer vont avoir lieu. Son parcours scolaire va être assez banal. Schaeffer est quelqu'un de très intelligent. Il a un QI, selon les spécialistes qui l'ont rencontré, de 130. La moyenne est d'environ 90 à 109. Donc, il obtient facilement l'équivalent du brevet et du bac. D'ailleurs, je vous ai jamais vraiment expliqué qu'est-ce que le QI. Eh bien, les revues scientifiques l'expliquent par l'ensemble des aptitudes intellectuelles requises permettant d'acquérir des connaissances et l'utilisation de ces connaissances de façon efficace pour résoudre les problèmes. Donc, plus un tueur en série est intelligent, moins il a de chances de se faire attraper. D'ailleurs, dans la plupart des cas de tueurs en série, soit les types se rendent eux-mêmes, ou soit les enquêteurs ont énormément de chances d'un coup. Et Schaeffer va pas faire exception à la règle. À l'âge de 18 ans, il rencontre son premier amour, Sandra London, qui a 17 ans et qui le décrit comme un très beau garçon avec de très bonnes manières. Schaeffer est apprécié par la famille de Sandra et il part même en vacances avec elle. En juin 1964, Gérard Schaeffer tente de devenir prêtre, mais il est rejeté par l'église qui considère qu'il n'a pas la foi puisque Gérard Schaeffer aime bien expliquer aux prêtres que pour lui, la Vierge Marie n'a pas pu tomber enceinte sans avoir de rapport. Vous imaginez bien que ça passe pas. Il va alors s'inscrire à une formation pour devenir professeur et c'est à partir de ce moment-là qu'il va tuer. Mais avant ça, notre GG va demander de l'aide à sa petite amie, Sandra, en lui expliquant qu'il commence à avoir une envie irrésistible de tuer des femmes. Sur le moment, Sandra ne le croit pas du tout. De toute façon, le couple est au bord de la rupture puisque Gérard devient de plus en plus efféminé. Il se met à porter des sous-vêtements de femmes, pleure régulièrement et il entre vraiment dans une profonde dépression que sa petite amie de l'époque, à cause de son âge, ne va pas vouloir gérer. Pour elle, un garçon qui pleure, qui déprime, qui s'habille en fille, ce n'est pas très excitant. On suppose qu'à cette époque, au moment où Gérard Schaeffer demande de l'aide à sa petite amie en disant qu'il a envie de tuer des femmes, eh bien, il avait déjà tué, puisque dans l'un de ses textes nommé « Fausse confession », il écrit « Un soir, je suis allé à la plage de Fort Lauderdale, à la recherche de bière. Du moins, c'est ce que je me disais. Je pouvais me vanter au mieux d'un flirt poussé, et ça ne résolvait pas l'urgence sexuelle de mes 16 ans. J'arrivais de bonne heure, bien avant le coucher du soleil, et je repérais une fille seule. Elle était appuyée contre un palmier, à côté du banc à pique-nique, absorbée dans ses pensées, attendant probablement que la musique s'excite un peu, comme tout le monde. J'allais à elle, et lui dis « Salut !» Rien de spécial, j'étais toujours vierge, je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire avec une fille pour qu'elle comprenne que c'était le sexe qui m'intéressait. Alors tout cela était platonique et innocent. Nous sommes arrivés à la jetée, et tout d'un coup, on était là, à se peloter. Bien sûr, c'était une scène très romantique pour la fille. Un coucher de soleil, un beau jeune homme, des embrassades passionnées sur une plage déserte. Et soudain, elle en a eu assez. Elle a rompu l'étreinte et s'est éloignée en dansant avec un petit rire joyeux. Elle avait une écharpe en soie. Quand elle se détourna pour s'éloigner, je voulus l'attraper, mais seule l'écharpe resta dans ma main. Vous savez, j'ai mis l'écharpe autour de son cou et j'ai tiré. Un jeu, en quelque sorte. Mais l'écharpe en soie serra fortement la chair tendre de son cou. Elle ouvrit grand les yeux. Son expression était presque comique. Ses yeux semblèrent rouler dans sa tête et elle s'écroula comme une poupée de chiffon. Ses jambes continuèrent à bouger, puis elle fut immobile. Je me mis donc en slip et la tirai dans l'eau. La marée était en train de tourner et le courant l'emporta vers le large. Ses vêtements,
Et ses chaussures la firent couler lentement, les bras étendus, son petit sac coincé entre ses jambes. « J'ai tué 7 femmes avant d'avoir une relation normale avec une fille. Ces femmes étaient parties d'un endroit et ne sont jamais arrivées à destination. À cette époque, je choisissais toujours une victime seule. Plus tard, pour une multitude de raisons, je commis des doubles et triples meurtres. Personne ne discute devant une arme. Je dirais que la plupart de ces femmes comprennent instinctivement qu'elles étaient dans un sale pétrin. » La cabane du crime était sur une propriété privée. Le chemin d'accès était balisé avec des fils de pêche de nylon très fin. Si le fil avait bougé, j'allais dans un autre endroit. Après les menottes, une taie d'oreiller était passée sur la tête de la victime. La capsule servait principalement à l'empêcher de voir les préparatifs nécessaires à la suite. Je faisais un nœud coulant avec le type de corde que j'essayais à cette époque. Je la passais au-dessus de la branche, sortais la victime de la voiture et l'emmenais devant la cabane. Je lui passais le nœud autour du cou, ensuite j'attachais la corde au pare-choc du véhicule, puis je retournais derrière le volant et j'enclenchais la marche arrière. Je conservais des notes détaillées sur les réactions des victimes. Tout se passait très vite, de la cagoule à la pendaison, 15 minutes tout au plus. La principale règle de base pour une belle carrière dans le meurtre en série est de rapidement disposer du corps. L'utilisation d'étang fut pour moi la solution. La victime était nue, enroulée dans un rideau de douche en plastique et emportée jusqu'à l'étang le plus proche. Sorties de la voiture, elles étaient balancées dans l'eau avec un bloc de ciment attaché à leurs chevilles. Le tout prenait moins d'une heure. Les étangs étaient profonds, et clair, je mettais régulièrement mon matériel de plongée et j'allais retrouver les victimes au fond. Elles ressemblaient toutes, après quelques jours, à un énorme ballon. La cabane à laquelle il fait référence n'a jamais été découverte et je n'ai trouvé aucun article disant que les lacs avaient été fouillés. Mais si tout ce qu'il dit à l'intérieur de ces textes est vrai, Gérard Schaeffer a fait bien plus de 30 victimes. Tellement il y a de situations différentes décrites à l'intérieur. Schaeffer va devenir obsédé par sa voisine Lee Enline qui a 20 ans et qui se déshabille chaque soir à sa fenêtre. Bon, elle fait pas ça pour se montrer à Schaeffer, c'est juste que vu qu'il y a du vis-à-vis le soir, lorsque sa voisine allume la lumière, eh bien Schaeffer la voit. Et ça, ça l'énerve beaucoup. Pour lui, elle le fait exprès, elle le provoque et joue avec ses pulsions. Il dira un jour à Sandra, « Un de ces quatre, je vais mettre un terme à ces provocations de manière définitive. » C'est tous ces événements qui vont pousser Sandra à quitter Schaeffer. Elle va être sûre de son choix lorsqu'à l'annonce de la rupture, il va s'agenouiller en pleurs en lui demandant ce qu'il doit faire pour la garder. Sandra ne veut pas d'un homme qu'elle juge faible, efféminé, qui pleure pour un rien et qui a des délires bizarres à vouloir tuer les femmes, même si elle prend ça pour une mauvaise blague. Suite à cette rupture, Gérard Schaeffer n'a plus personne à qui se confier. Il n'a plus de petites amies avec qui coucher pour évacuer ses pulsions sexuelles et meurtrières. Les disparitions vont s'enchaîner en Floride. Là où habite la famille du tueur en série, Gérard Schaeffer a alors 21 ans. La plupart de ces disparitions seront reliés à son nom. Le 2 octobre 1966, Pamela Natter, 21 ans, et Nancy Leschiner, 20 ans, se rendent à Alexander Springs, au nord de la Floride. Juste ici, dans le but de participer à un petit trip en forêt d'Ocala avec leurs petits copains et un groupe d'amis. Comme on peut le voir sur Google Maps, c'est absolument immense, donc très facile de s'y perdre. En milieu d'après-midi, les garçons décident d'aller se baigner, mais Pamela et Nancy considèrent que l'eau est trop froide, donc elles partent se balader en forêt. Il est aux alentours de 13h. Vers 15h30-16h, le groupe de garçons revient de leur baignade et se rendent compte que Pamela et Nancy ne sont pas revenus. Ils les appellent, se mettent à leur recherche, mais impossible d'y voir quoi que ce soit en forêt. Si les filles se sont perdues en allant trop loin, il faut appeler du renfort. Les secours sont prévenus, mais rien ne sera trouvé. Un témoin, âgé de 12 ans à l'époque, déclara aux équipes de recherche avoir vu un homme les suivre de très près avant de s'enfoncer avec elle dans la forêt. Le garçon sera interrogé des années plus tard concernant cet homme et il donnera un discours très intéressant, vous verrez. Au début du mois de septembre 1969, Lee, la voisine de Schaeffer, parle à son mari d'une proposition qu'il lui aurait faite pour devenir, accrochez-vous bien, agent de la CIA avec un salaire de 20 000 dollars.
pas mal, hein. Un peu gros quand même, mais Lee est tombé en plein dedans. Après, c'est pas vraiment étonnant, puisqu'à toute époque, les gens croient un petit peu n'importe quoi. Certains pensent que Bill Gates tente de contrôler le monde parce qu'ils l'ont lu sur Facebook, par exemple. On n'est pas sorti de l'auberge. Le 8 septembre, le mari de Lee découvre une lettre en rentrant du travail dans laquelle sa femme explique être partie pour Miami dans le but de prendre le poste et de débuter une nouvelle vie. Son nouvel emploi à la CIA ne lui permettant pas d'avoir une vie de famille, elle explique qu'elle ne rentrera pas avant plusieurs années à la maison. Quelques jours plus tard, son mari, ayant lancé des recherches, retrouve sa voiture en ville à Fort Lauderdale, ce qui prouve que Lee n'est pas parti pour Miami. Schaefer est bien évidemment interrogé, mais à l'époque il explique que Lee lui a demandé de la conduire à l'aéroport pour pouvoir fuir son mari et débuter une nouvelle vie. Selon lui, elle a inventé toute cette affaire pour que son mari, justement, la laisse tranquille. Affaire classée. Le 18 décembre, c'est au tour de Carmen Alloc de disparaître. Elle a 22 ans au moment des faits et travaille en tant que serveuse sur Oakland Park, en plein milieu de Fort Lauderdale. Elle a dit à l'une de ses amies, lors de son service du midi, qu'à 17h, elle avait rendez-vous pour un nouvel emploi. En effet, un homme se présentant comme professeur lui a proposé un job en tant qu'agent infiltré pour le gouvernement dans les administrations du pays. Ce jour-là, Carmen quitte son travail à 14h. Elle ne sera jamais revue, elle se volatilise. Le 25 décembre, sa sœur se rend à son appartement pour fêter Noël avec elle. Elle arrive, mais bien sûr, personne ne répond. Elle entend alors les deux chiens de Carmen aboyer, elle prend les doubles des clés, ouvre la porte et découvre un appartement bien rangé, mais complètement vide. Sa voiture sera retrouvée sur un parking en ville, sa disparition sera signalée, mais aucune recherche n'aura lieu. On est en pleine période de Noël, les gens ont autre chose à foutre. Voilà, si un jour vous voulez faire disparaître quelqu'un, pensez à le faire pendant les périodes de fête. Je rigole, hein, c'est une blague. Pendant l'année 1971, il ne se passe rien d'après ce que j'ai pu trouver, mais j'ai rapidement compris pourquoi, puisque c'est l'année où Gérard Schaefer passe son diplôme de patrouilleur. En gros, il devient flic. À la fin de l'année, il obtient sa certification et il devient donc flic et tueur en série. Gérard Schaefer a alors 25 ans. Bon, par contre, très rapidement, il sera obligé de changer de commissariat puisqu'il use énormément de sa plaque, surtout lorsque ce sont des femmes. Donc, il se fera réengager dans un autre commissariat à l'aide d'une fausse lettre de recommandation écrite soi-disant par le supérieur qui venait de le virer. Culotté le mec. Ses collègues et supérieurs expliqueront plus tard que Schaefer mettait tout le monde mal à l'aise quand il était en service. Il faisait régulièrement des remarques perverses, des blagues de mauvais goût, et quand une femme était contrôlée, il avait un comportement de prédateur. Il tentait toujours d'obtenir son adresse, son numéro et bien d'autres informations pour pouvoir la retrouver. Le 4 janvier 1972, Belinda Hutchins, 22 ans et serveuse, disparaît à son tour après un rendez-vous amicale avec un homme. Son petit ami de l'époque rapportera qu'elle voyait ce soir-là un certain Schaefer, mais personne ne cherchera à le retrouver puisque Belinda était connue comme une prostituée occasionnelle. Donc pour les enquêteurs, sa vie ne vaut pas grand-chose. Le mode opératoire de Schaefer était très simple. Il se rapprochait de ses victimes en devenant leur ami ou en les prenant en stop. Ensuite, il les menait dans une zone boisée dans laquelle il avait la plupart du temps pré-creuser une tombe. La zone était bien sûr préparée et il y avait même certaines fois des cordes déjà mises en place. La suite, vous l'avez entendu au début de cet HVF et je vous lirai juste après des extraits du livre de Schaefer. Une fois morte, la victime était laissée sur place plusieurs jours et Schaefer lui rendait visite régulièrement pour s'amuser avec avant de la découper. Schaefer était excité par la mort, mais également par les excréments. Bon appétit. Il explique dans ses livres que lorsque sa victime se faisait dessus, il adorait ça. Mais dans ce cas-là, comment Gérard Schaefer va être relié à toutes ces disparitions? Eh bien, comme beaucoup de tueurs en série, il garde des trophées, des notes, bref, des objets qui permettent de le relier à certaines victimes. L'horreur éclate. C'est le 1er avril 1973 que Calvin Oley et son fils Jesse Joe, très américain comme prénom, qui se baladent sur l'île d'Hutchinson, découvrent des ossements
éparpillé autour d'un trou qui a mal été rebouché. Les autorités sont prévenues et vont découvrir un espèce de charnier. Deux jambes, un torse, des vêtements, deux robes, une chaussure noire, divers ossements. Bref, des gens se sont fait massacrer à cet endroit. Et je dis bien massacrer, puisque dans un premier temps, les enquêteurs ne retrouvent pas de tête. Et à moins d'être anormalement constitués, vous avez une tête. Deux jours plus tard, 25 personnes se déploient sur l'île. La zone dans laquelle les ossements ont été retrouvés est retournée à l'aide d'une pelleteuse et un crâne, une mâchoire et des dents seront retrouvés. Selon le médecin légiste présent sur place, la victime a eu la mâchoire fracassée, soit par un coup de poing d'une grande violence ou alors à l'aide d'un objet. Autour de ce charnier, il y a au milieu de la zone un arbre sur lequel il est gravé des initiales abîmées par le temps disant G, G ou C, G. Les deux femmes retrouvées sont identifiées grâce aux objets et leurs empreintes dentaires comme étant Georgia Jessup, 16 ans, et Suzanne Place, 17 ans. Les enquêteurs découvrent alors que les adolescentes sont portées disparues depuis septembre 1972, soit 7 mois. Au moment de la découverte, on ne pense pas tout de suite à Gérard Schaeffer, puisque de toute façon, il n'est pas encore connu comme étant un tueur en série, et il n'a même officiellement jamais tué, pas encore. Dans l'avis de disparition qu'a déposé la mère de Suzanne en septembre 72, elle explique que sa fille et Georgia s'était faite un ami depuis plusieurs jours qui se présentait comme Jerry Shepard. Le 27 septembre 72, ce Jerry Shepard vient chercher les filles pour passer la journée à la plage et jouer de la guitare. Par précaution, la mère va relever sa plaque d'immatriculation, mais elle va faire une grave erreur, puisqu'elle confond le numéro 42 avec le 24. Donc, lors de son dépôt de plainte, aucun propriétaire ne sera identifié et les policiers de l'époque ne feront aucune recherche puisque les filles avaient parlé plusieurs fois de fuguer avec ce fameux Jerry Shepard. Et pire, Suzanne était déjà partie d'elle-même et dans les années 70, des gamines de 18 ans qui partent plusieurs mois sans donner aucune nouvelle pour vivre le rêve américain avant de rentrer en courant chez papa-maman, il y en a des dizaines, donc les flics prennent pas vraiment au sérieux toutes ces disparitions. En avril 1973, lorsqu'elle est reconvoquée pour identifier les objets de sa fille et questionnée de nouveau, la mère de Suzanne va expliquer aux enquêteurs qu'elle a pu se tromper concernant la plaque de ce Jerry Shepard et que le chiffre 24 était peut-être un 42. Les enquêteurs vérifient et ils découvrent qu'effectivement, une voiture est immatriculée avec cette plaque. Il s'agit d'un véhicule appartenant à un ancien flic actuellement en prison pour un double enlèvement et séquestration, Gérard Schaeffer. Pour identifier formellement Gérard Schaeffer comme étant ce fameux Jerry Shepard, les enquêteurs vont donner à la mère de Suzanne un tas de photos dans lesquelles ils vont mettre une photo de Gérard Schaeffer. La mère identifiera formellement Schaeffer comme étant Jerry Shepard. Les enquêteurs vont également apprendre que Schaeffer, avant son entrée en prison, avait fait cadeau d'un sac à la sœur d'un officier du commissariat. Ce sac est retrouvé, puis montré aux parents des filles qui le reconnaissent formellement. Un mandat de perquisition est accordé aux enquêteurs qui se rendent immédiatement au domicile de la mère de Schaeffer, Doris, qui les accueille sans vraiment comprendre ce qu'il se passe. Elle explique que son fils a bien une chambre chez elle, dans laquelle il stocke divers cartons remplis d'objets dont il a interdit à sa mère de s'approcher. Il n'existe malheureusement pas de photos officielle de l'intérieur de la chambre de Gérard Schaeffer, mais elle est vraiment décrite comme une antre de l'horreur, une espèce de pièce dans laquelle aurait erré plusieurs années un esprit dérangé. Les enquêteurs vont commencer à fouiller les cartons et ils vont tomber sur des récits, des tas de pages, des feuilles déchirées sur lesquelles il est écrit des histoires racontant des meurtres et des viols en forêt. L'un de ces textes a pour nom planifié un meurtre.
On peut pas faire plus explicite. Tous ces récits, Gérard Schaeffer les a ensuite publiés dans un livre nommé « Journal d'un tueur ». Je vous expliquerai juste après comment il a fait pour réussir à publier tous ces livres. Bref, tueur en série, mais également businessman. Autant faire des pépettes avec ses écrits. La preuve, je les ai achetés. Je me suis tapé les 3 bouquins et je peux vous dire qu'à la fin, ça fait mal à la tête. Voici 3 extraits. Une fois, au lycée, j'ai étranglé une fille jusqu'à ce qu'elle perde connaissance pendant qu'on faisait l'amour. Depuis, je cherche à reproduire le plaisir que j'en ai tiré. J'ai toujours été fasciné par l'idée d'étrangler des femmes, mais je ne suis pas encore passé à l'acte, car j'ai peur de me faire arrêter. L'idée de me retrouver en prison m'effraie. Je n'ai pas peur de la mort, et j'ai pensé au suicide à plusieurs reprises. Mais c'est la peur de l'enfermement qui m'empêche de passer à l'acte. Schaeffer raconte bien sûr dans l'un de ses livres ce qui semble être son tout premier meurtre. Une semaine après, n'arrivant pas à pleinement réaliser ce que j'avais fait, je suis retourné à la fosse et je me suis mis à creuser pour être sûr que je m'étais pas imaginé toute cette scène. Quand ma pelle a atteint ses genoux, j'ai senti une puanteur insoutenable. C'était répugnant. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle pouvait sentir mauvais ? Je l'ai déterré à plusieurs reprises et l'odeur empirait à chaque fois, m'empêchant de finir le boulot. En fait, je voulais sa tête. J'avais voulu la trancher juste après l'avoir tuée, mais je n'y étais pas arrivé. Il me fallait sa tête pour qu'on ne puisse pas l'identifier grâce à ses dents. Bien des mois après, j'ai enfin réussi à la déterrer complètement. Elle était encore bien conservée, mais elle était couverte de larves. Elle était assez grasse au toucher. Je lui ai enfilé un nœud coulant autour du cou et je l'ai hissé à la branche d'un arbre. J'ai alors pris sa tête. Aujourd'hui, elle se trouve toujours dans cette tombe anonyme, et des fois j'ai de la peine, moins pour elle que pour sa famille, car il semble qu'il l'aimait beaucoup. Un peu plus loin dans son livre, Schaeffer raconte ce que les enquêteurs pensent aujourd'hui être le meurtre de Belinda Hutchence. Je l'avais invitée à dîner, mais au lieu de ça, je l'ai conduite sur une route isolée. Je lui ai demandé de sortir du véhicule et de me laisser la fouiller. Puis, je lui ai entravé les poignets avec des menottes et lui ai placé un bandeau autour des yeux. Je l'ai ensuite fait marcher dans l'obscurité jusqu'au lieu de son exécution. Je l'ai aidé à grimper sur l'échelle et je l'ai fait asseoir au sommet. Le nœud coulant du bourreau fut placé autour de son cou. Elle n'avait de toute évidence aucune idée de ce qui allait lui arriver. J'ai attaché l'extrémité de la corde au pare-choc de façon à ce que la voiture fasse tomber l'échelle pour la pendre en reculant. Elle m'a alors dit qu'elle commençait à s'ennuyer et qu'elle aimerait que je me dépêche de finir ce que j'avais à faire. Je lui ai dit que je faisais au mieux, et avant de retourner dans la voiture, j'ai vérifié que la corde était bien tendue. Je suis retourné à la voiture et j'ai fini la bouteille de vin. Puis, à 21h pile, j'ai allumé le moteur. Après 15 bonnes minutes, le temps qu'elle meure, je suis retourné à pas feutrés vers le groupe d'arbres où j'avais établi mon site d'exécution. Si vous en voulez d'autres qui rentrent encore plus dans la folie, puisque là j'ai pris des choses un peu light, on est sur YouTube, je le rappelle, je vous mets en photo quelques chapitres sur mon Twitter. Alors tous ces textes c'est bien beau, mais ça ne relie pas matériellement Schaeffer à toutes ces disparitions. Eh bien les enquêteurs vont découvrir dans sa chambre des dents dont l'empreinte dentaire est reliée à des femmes disparues, des cartes d'identité, des permis de conduire, des journaux intimes, mais aussi des photos de corps, de femmes, mais également de filles, avec un sac sur la tête et un nœud coulant autour du cou. Au total, c'est une trentaine de femmes différentes qui pourront être identifiées. Certaines resteront anonymes à jamais puisque les seules photos qui existent d'elles sont avec un sac sur la tête, donc impossible de mettre un nom sur leur visage. Qui suis-je ? Une enquête est menée contre Gérard Schaeffer puisque avant de l'accuser d'être un tueur en série, les enquêteurs vont chercher à savoir s'il y a eu des disparitions dans son entourage ou dans les lieux où il s'est rendu. Le garçon de 12 ans à l'époque qui a vu Nancy et Pamela partir avec un homme va être reconvoqué. Il en a 19 désormais et dans un tas de photos, il va reconnaître formellement Schaeffer comme étant l'homme qui suivait les deux filles. Un bracelet gravé Lee Enline et une dent en or appartenant à Carmen Alloc permettront de relier Schaeffer à ses deux disparitions, surtout lorsque l'on sait que ces femmes connaissaient l'homme et qu'elles ont mentionné son nom ou sa description précise quelques heures seulement avant de disparaître.
Le mari de Belinda sera convoqué et reconfirmera que sa femme avait bien rendez-vous avec Schaeffer le soir de sa disparition. Et la liste s'allonge. Ces disparitions, qui n'intéressaient pas du tout les enquêteurs, vont commencer à les horrifier. De tout temps, bien sûr, des gens ont disparu, mais lorsqu'il y a une hausse des cas de disparition dans une région et que quelques années plus tard, on arrête un tueur en série, c'est pas un hasard, il y a forcément un lien. Peggy Rahn et Wendy Stevenson ont 9 et 8 ans lorsqu'elles disparaissent le 29 décembre 1970 à Pompano Beach, une plage, de rien pour la traduction, située à 20 minutes de route du quartier de Schaeffer. La dernière fois qu'elles sont vues, c'est en présence d'un homme dont la description correspond à Schaeffer. Dans l'un de ses récits, il explique d'ailleurs qu'un jour, deux filles étaient au mauvais endroit, au mauvais moment, et qu'il les a particulièrement trouvées à son goût, avec des oignons et des poivrons. Appétissant. Marie Briscolina et Elsie Farmer, 14 ans chacune, disparaissent en faisant de l'autostop à Fort Lauderdale. Des bijoux leur appartenant seront retrouvés chez Schaeffer. Colette Goodenough et Barbara Wilcox disparaissent le 8 janvier 1973, une semaine avant que Schaeffer n'entre en prison pour purger sa peine d'un an. Elles étaient en Floride dans le but de visiter Disney et de passer du bon temps. Leurs permis et passeports seront retrouvés chez Schaeffer. Leurs ossements seront découverts dans l'Oak, à Mock Park. Mais pendant que je vous parle de tout ça, des fouilles, de la perquisition, Schaeffer est toujours en prison. Il sait qu'il y a une enquête en cours contre lui, mais il pense que de toute façon, il a tellement bien géré son truc que les enquêteurs ne pourront jamais le relier à rien. Puisque comme il le dit si bien, pas de corps, pas de crime. Et il a raison. La condamnation. Devant les faits, Gérard Schaeffer va absolument tout nier en bloc. Il n'a jamais fait disparaître de femme. Il n'a jamais tué personne. Ce n'est pas un tueur en série comme les enquêteurs aiment l'appeler. Et puis, s'il a des objets de femmes disparus dans sa chambre, c'est simplement qu'il les a achetés durant des brocantes ou qu'il les a achetés à des vendeurs ambulants parce que l'objet lui a plu. C'est tout. Il fait collection. Pas foufou comme défense. Mais n'oubliez pas que Schaeffer est très intelligent. Le temps de l'instruction, le temps de trouver de nouvelles preuves et de mettre en place un procès, il va tenter de se faire passer pour fou. En Floride, il y a ce que l'on appelle le Baker Act. Un prisonnier jugé malade mental peut uniquement être interné en hôpital psychiatrique. Il va voir trois experts qui ne vont pas du tout être d'accord entre eux. Comme d'habitude. Le premier, Elton Schwartz, explique que Schaeffer n'est pas conscient de ses actes et n'a aucun souvenir d'avoir commis un quelconque meurtre. Il ajoute que l'intérêt médiatique qui commence à naître autour de lui le met mal à l'aise. Le second psychiatre, Robert Eaton, recommande qu'il soit envoyé dans un hôpital psychiatrique car Schaeffer semble extrêmement déprimé et au bord du suicide. Le troisième psy, Robert Stone, dira quant à lui que Schaeffer est doté d'une intelligence supérieure, qu'il réagit rapidement et est capable de se sortir de situations compliquées. Il note cette phrase très intéressante. « Lorsque je demande à Schaeffer s'il arrive à réfréner ses pulsions, il me répond « Je ne le fais pas. Il n'y avait jamais aucun témoin. Je ne me suis jamais fait prendre. » À ce stade, Schaeffer n'a toujours avoué aucun meurtre. Robert Stone conclura en disant que l'accusé ne souffre d'aucun trouble et qu'il est apte à être jugé. Malgré toutes ces preuves, et je le répète pour la troisième fois, pas de corps, pas de crime. Gérard Schaeffer va donc être jugé uniquement pour deux meurtres, celui de Georgia Jessup et Suzanne Place. Durant son procès, Schaeffer va plaider non coupable. Il dira qu'il n'a jamais tué personne et qu'il n'est pas ce fameux Jerry Shepard avec qui seraient partis Georgia et Suzanne le jour de leur disparition. Tout ce que je viens de vous raconter va être dit au procès. En octobre 1973, Schaeffer est déclaré coupable du meurtre de Georgia Jessup et Suzanne Place. Il est condamné à une peine de prison à vie. Les jurés ont mis 6 heures à se mettre d'accord sur sa culpabilité. Ils avaient en réalité condamné au bout de 20 minutes, mais par peur de ne pas être pris au sérieux en ressortant trop vite de la salle, ils ont attendu et ont parlé de leur vie toute l'après-midi.
Schaeffer n'a pas été condamné à la peine de mort, puisqu'à cette époque, la législation est compliquée aux États-Unis. En 1972, la Cour suprême déclare que la peine de mort est inconstitutionnelle dans tous les États. Schaeffer est donc jugé en 1973, et la peine de mort est rétablie en 1976. En prison, Gérard Schaeffer va faire tout son possible pour sortir. Il va, à l'aide de ses avocats, tenter de prouver qu'il a été victime d'un complot. Personne n'y croira. Pour se faire un peu d'argent, il attaquera en justice des journalistes l'ayant traité comme gros ou en surpoids. Ça ne mènera nulle part. Dans l'établissement pénitentiaire de Stark, Schaeffer va croiser la route de Ted Bundy, avec qui il aura plusieurs discussions. Il expliquera plus tard que Bundy était obsédé à l'idée de savoir s'il avait tué plus de personnes que lui et avait la rage d'avoir été condamné à mort et pas lui. Il dira lors d'une interview réalisée en 1991 que Bundy prenait plaisir à lui raconter ses meurtres avec tous les détails possibles, comme par exemple comment il nettoyait son véhicule lorsque ses victimes se vidaient en comprenant qu'elles allaient mourir. And I could sit there like when I'm sitting with you and talk about it. He relished it. And I'm thinking, wow. This guy, if only you could get his face on a camera when he's talking to me like this in the cage. So he had 36. He wanted to be the best, and he was obsessed because they said I had 34. And he was afraid that I had ones that he didn't know about, see? And he was always trying to get me to say, no, that's all I got, 34, you know? But I never would say that. I discerned that he was concerned about the number, and it was my own way of needling him back by saying, I'm the best, Ted. You're gonna fry, and I'm gonna be here, and I'll be the best, just like they said. The number one, Mr. Stone had it all right. The best there ever was. And you're nothing. And you just go crazy. Can't be. Il existe d'ailleurs des rumeurs disant que Bundy et Schaeffer auraient pu commettre des meurtres ensemble, mais n'ayant pas vraiment trouvé de source, je vous dis ça comme ça. À travers cette interview de 1991, Gérard Schaeffer tente de s'expliquer, plus ou moins, et avoue même à demi-mot que ce que l'on dit sur lui est vrai. Vous trouverez tout le reste de l'interview sous-titré en français, comme d'habitude, vous savez où. Le 3 décembre 1995, Gérard Schaeffer meurt à l'âge de 49 ans, poignardé suite à une dispute avec un co-détenu. Avant de mourir, Sandra London, son ex-petite amie, va lui proposer de publier ses récits de façon non censurée. Les enquêteurs sont aujourd'hui persuadés que ces trois livres, ces histoires, ces récits, ces chapitres, sont en réalité une œuvre biographique pour que Schaeffer entre à jamais dans l'histoire. Après sa mort, des ossements ont continué à être découverts lors de travaux près de Fort Lauderdale, permettant d'identifier et de retrouver certaines victimes. Le nombre officiel de personnes disparues ayant croisé la route de Gérard Schaeffer reste à ce jour flou. Les autorités américaines se sont mis d'accord sur 30 à 34 victimes. Le tueur étant décédé aujourd'hui, aucune recherche officielle n'est en cours et il reste coupable pour l'éternité, officiellement, de deux meurtres. C'est ainsi que se termine l'histoire du tueur en série, Gérard Schaeffer. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez Floride en commentaire. On va ajouter un petit peu de soleil dans les commentaires vu la sombre histoire que je viens de vous présenter. C'est beau ça quand même, ça c'est pas mal hein. Bref, c'est Max Guys. N'oublie pas le pouce bleu, de vous abonner. J'espère que cette affaire vous aura plu. J'essaie vraiment de vous présenter des tueurs en série qui sont peu connus, puisque je vois pas l'intérêt de vous faire des vidéos sur des Ted Bundy ou des gens ultra populaires dont vous connaissez déjà toute la vie. Moi vraiment le but de la chaîne, c'est de vous présenter des choses exclusive, si j'ose dire. Bref, c'est Max Guys, n'oublie pas le pouce bleu, de vous abonner, de me rejoindre sur Twitter, Instagram, j'y suis très actif. On se retrouve prochainement, sûrement la semaine prochaine comme d'habitude, pour une nouvelle HVF, et puis, bye.